messieurs, dames, bonjour à tous et bonne année, mieux tard que jamais. Bonne année. On se retrouve tous ensemble sur le plateau de Sans Commune Mesure pour la troisième heure de bonne humeur et de déferlante de joie. Alors nous retrouvons cette troisième émission dont le rush est retransmis en live sur les réseaux Twitch, YouTube pour la première instantanée à partir de mars. Et nous retrouvons tout d'abord une chroniqueuse de talent, déjà titulaire et qui a su faire ses preuves, la nouvelle de Sans Commune Mesure, mais déjà ancienne de deux émissions, qui n'a pas peur d'assumer ses convictions, surtout en matière de cinoche, Amélie Nobert. It's me. Non mais je rêve, vous êtes tous beaux en fait. Pardon ? Ça peut arriver parfois, c'est... Excuse moi, on a son instant de gloire. Juste en diagonale, Julie Laplace est avec nous aujourd'hui. Enchantée, messieurs. Elle démystifie avec brio les tabous de notre société, on ne la présente presque plus. Comment ça va ? Mais ça va super ! Pour une fois, j'ai pas trop la voix cassée. Eh ben c'est parfait ! Encore du thé dans la tasse ou pas ? Mais bien sûr, toujours, tu me connais, Zo ! Évidemment. Et de l'autre côté du miroir, un mec random que j'ai recruté pour les quotas d'inclusivité, monsieur Émile Morel. Salut. Oh putain, c'est le jardinier. Un grand bonjour à nos amis de Twitch et TikTok qui regardent la rediffusion, le live actuellement. Que vous soyez en rediff, en première instantanée ou en live, on vous embrasse très fort depuis le studio. Et on commence dès à présent parce qu'on va être très très short sur les times. Sachez qu'on a spammé sur les contenus additionnels, vous allez être servis. C'est bon? Quoi qu'il en soit, on enchaîne directement avec un nouveau rituel, le coup de starter officiel de l'émission, messieurs dames, le warm-up. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier warm-up de Sans Commune Mesure, le starter officiel de l'émission, à savoir un bref récap de l'actu du mois dernier. Et à la une, Anne Hidalgo va profiter des JO 2024 pour bannir définitivement la voiture sur la moitié de la place de la Concorde. Démission d'Elisabeth Borne, finalement refusée par Emmanuel Macron, il aurait, je cite, fait usage d'un 49-3 présidentiel en s'exclamant « contre Uno ». Provence, il annonce son suicide et part faire la sieste. Bretagne, le Père Noël du marché de la petite ville dorée dans le Morbihan, contrôlé positif à diverses substances et emmené en garde à vue. Interrogé par nos équipes, il aurait déclaré « ho 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 ». Fin de citation. Fait divers, après avoir mélangé son café à sa Red Bull, un étudiant bordelais arrive à Paris 2 heures en avance après s'être rendu compte d'avoir oublié de monter dans son TGV. Un couple décide de donner le prénom M à leur bébé en hommage au chanteur, la justice s'empare du dossier. Grève des agriculteurs ensuite. En réaction au jet de lisier sur les préfectures, le gouvernement menace de jeter Rachida Dati sur les agriculteurs. International à présent. Angleterre, fortement intoxiqué, il mord une mouette pour l'empêcher de voler son Big Mac. Australie, une start-up se lance dans la confection et l'import d'air pur puisé au Groenland en plastique non recyclable. Idéal pour humer lors de la consommation de cocktails dans les pays riches où le besoin d'une expérience optimale se fait sentir. Et enfin, fait divers qui nous vient tout droit du Michigan, elle attaque son fils en justice après qu'il lui ait offert un collier de nouilles et un préservatif pour le motif suivant. Au moins, si elle n'aime pas mon collier, elle pourra aller se faire baiser. C'était la première édition du warm-up, 10 faits divers, 5 sont vrais, 5 sont faux, à vous de les retrouver en commentaire. Après ce récap, l'émission peut commencer sur les chapeaux de roue. Bonne année à tous, jingle. Alors là, je m'incline, mais fort. Quel bon lancement. Est-ce qu'on valide ou est-ce qu'on ne valide pas ce coup de starter officiel? Franchement, moi je dirais oui. Je me sens plus informée que jamais. Voilà, la chronique est validée. Alors c'est parfait. Comme on est un petit peu time et un petit peu cut, on va enchaîner directement avec la chronique suivante, avec Julie Laplace qui va pas tarder à nous parler de sa dernière chronique avant son départ. Non. Vous l'aurez deviné. C'est la dernière de Julie Laplace, la dernière avant un bon moment, dis-nous en plus. Je pars au Puy du Fou, pour y travailler bien sûr, en tant que comédienne dans les spectacles immersifs, une des plus grosses équipes du parc,
Mais ça va aller, Emile, tu vas t'en sortir sans moi, on en a parlé déjà. Non, mais c'est toi, ça va aller. Mais moi, je t'aime bien, moi. Mais oui, mais moi aussi. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. D'accord. J'en ai marre de lui. Quoi qu'il en soit, ma chère Julie, on embraye sur la dernière avant un bon moment. Tu nous reviens après. Bien sûr. Ce n'est pas the last, fini. But not the least. Balance-nous ta merde, Julie. Bien le bonjour, aujourd'hui on ne va pas perdre de temps, on a beaucoup de choses à aborder. Quelle nouvelle, hein? Entre Depardieu, l'affaire Jeffrey Epstein et sa fameuse liste de célébrités pédophiles, le remaniement et la nouvelle moustache d'Emile, je ne sais pas de quelle mauvaise idée de la race humaine je devrais me moquer en premier. Commençons par le remaniement, si vous le voulez bien. Vous n'êtes pas sans savoir, sauf si vous vivez dans une grotte, que le plus jeune président de la République française a élu le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la 5ème République. En effet, notre petit Gabi n'a que 34 ans. Gabi Attal, bien sûr. L'autre Gabi... C'est jeune. Cage, il a l'autre Gabi, 28. Enfin 28. Bref. 28. Et il est à Tahiti. 29. Et il est à Tahiti. Aucun rapport. À ce rythme, vu qu'il est très jeune, on peut s'attendre à des réformes ouvrant la voie aux jeunes dans la société. Bientôt, le droit de vote sera ouvert à toute personne ayant 10 ans révolus. L'âge légal pour passer le permis sera de 9 ans et demi. Il paraît que pour accueillir cette mesure, Tesla a lancé une toute nouvelle collection de voitures pas de patrouille. Par contre, pour le permis poids lourd, il faudra attendre 12 ans, histoire d'avoir passé le pic de croissance et dépassé derrière le volant, bien sûr. Enfin, il sera possible de devenir président de la République seulement si l'on a 16 ans et minimum 200 000 abonnés sur TikTok. Mélenchon, c'est toujours possible. Ça m'intéresse. Il y a une place. Il vaut mieux t'abstenir. Non, mais n'empêche... Vous imaginez une France gouvernée par la génération Z hashtag Gen Z. Vous savez ce que c'est la génération Z, merci. Bien sûr. Non. Oui. Non. Toi, t'es un culte, frère. Tu en fais partie. Et c'est bien. Oui, c'est mais grave, tu sais, tu es vraiment... Tu es le symbole même de la génération Z. Le cliché. D'ailleurs, imaginez, si la Gen Z était au pouvoir, on aurait Emile, ministre de la Culture, qui ferait des stories en disant « Pof, l'Assemblée part complètement en vrille ». Franchement, ce serait mortel en vrai. Si la Gen Z était au pouvoir, les textes de loi ne seraient plus des textes, mais des séries de mèmes de Bob l'éponge et de chats qui parlent comme ça. Si la Gen Z était au pouvoir, on aurait des threads Twitter sur les histoires gênantes des députés. Méga thread. Le jour où j'ai surpris Macron déguisé en prof de Pilates dans une EHPAD. Nous sommes en guerre. Contre l'arthrose. Si la Gen Z était au pouvoir, peut-être que les débats sur dans l'Assemblée ne seraient pas sur le wokisme, mais sur les vraies règles du Uno, ou sur les paroles exactes du deuxième couplet de Confession nocturne de Diam Sevita. La seule chose qui les mettrait tous d'accord serait la récitation mot pour mot de la pub Chouchou Bello Bobo. Il a toujours besoin de toi. Joki Preciosi. J'allais le faire. Voilà, tu vois. Vous êtes des gamins. C'est ce que je disais. Nous. En attendant, si la Gen Z était au pouvoir... Peut-être qu'au lieu de dire que Depardieu rend fière la France, le ou la présidente aurait vu son complément d'enquête et aurait sûrement dit « Ça étonne qui, même ?» Bon appétit. Bon appétit, Morel. Pendant ce temps, aux États-Unis, ils s'apprêtent à choisir leur prochain président. Ils vont avoir le choix entre un escroc raciste homophobe de 78 ans qui pourra exercer direct depuis la prison, ou un robot sénile de 81 ans qu'on fait bouger à distance grâce à des prothèses télécommandées, qui pourra exercer sa présidence directe depuis l'EHPAD, filmé en plan serré pendant qu'on lui change sa couche. Wow. T'as des images? J'aimerais bien. C'est pour un pote. Tu veux un gros, frère? Ouais. Je peux en avoir un aussi. Mais super bon. Ouais, non, c'est dégueulasse. Les miasmes, l'herpès, tout ça. Ouais, non, bon, ça va. Vous trouvez pas que c'est pas très joyeux tout ça? C'est... Non. Plus je suis quelqu'un de bonne humeur, moi, en général, vous le savez. Sauf quand je marche dans les rues de Paris et qu'il y a un passant qui prend 40% du trottoir alors que je veux tracer ma route de bulldozer. Mets les coudes comme ça. Mets un coup de coude, un chassé. Hein. Bon, venez, on parle de trucs plus joyeux. Vas-y, continue. Un truc insignifiant, un truc pas grave. Allez. Typiquement, les Golden Globes. La dernière cérémonie, c'était, il me semble, début janvier. C'était la 81e édition. À peu près le même nombre que la quantité de nominations des films Barbie et Oppenheimer. Pour l'occasion,
Les stars se sont mises sur leur 31 et en tant que chiffon de mode, je me suis dit que j'étais bien placée pour faire une revue fashion des meilleurs et des pires choix fashion sur ce red carpet. Voilà, ça c'est un sujet pas grave, Emile, tu es d'accord avec moi ? Ça va, franchement, ouais. Bien. Alors, je vous invite à poser votre cerveau et votre second degré durant cette thèse. C'est parti. On commence par la magnifique Margot Robbie venue défendre, on se demande quel film, en Giorgio Armani. Barbie. C'est un 8 sur 10, même si je suis à peu près certaine qu'ils sont allés piocher dans mon bac Barbie des années 2000 pour trouver ce boa en tulle, ou pour ceux qui ont la ref obscure, dans mon bac Aremica. Bien. Qui a la ref obscure ? Personne, mais bien sûr, je le savais. C'est encore une rêve de Gen Z. Mais pour les filles qui avaient vraiment épluché le catalogue Jouet Club à tous les Noëls. Ah, ce n'est pas moi. Billie Eilish, ce soir-là, nous servait la prof d'histoire des années 60 qui a fait un régime mais qui n'a pas encore refait sa garde-robe. C'est un 5 sur 10 pour l'audace d'avoir assorti ses chaussettes à ses mèches de cheveux. La fabuleuse Florence Pugh, qui, ce soir-là, nous a montré qu'elle était prête à jouer dans le biopic de la chanteuse Pink. J'aime c'est beaucoup, un moi. 7 sur 10 pour la robe Valentino, parce que quand même, c'est Valentino. Timothée Chalamet, ah, je t'ai cramé, coquin. Cette veste, j'ai la même, elle est en vente dans tous les Primark de France et de Navarre. Je sens qu'Ameline va m'éviscérer, 8 sur 10, il est très beau. Timothée Hunter Schaeffer. Bon, je pense que, personnellement, on ne peut jamais se tromper avec du Prada, mais là, c'est Cendrillon après que ses belles-sœurs ont détruit son outfit. En tout cas, c'est sûr qu'à 100%, je me casserai la gueule sur le tapis rouge avec ça. Merci Hollywood. En tout cas, on sait ce qu'ils ont foutu de tout le papier cul pendant le confinement. Ah, bah voilà. C'était pour ça, la pénurie. Il y a plus des capotes, quand même. C'est un 6 sur 10. Pedro Pascal. Ah, c'était pas le bonsoir pour emmener son bras en date, il avait l'air un petit peu ronchon. Mais regardez grave. Le sourire de Pedro. Oh, seigneur. Vous êtes des twins ? Oui. Est-ce qu'on peut bien voir... Je crois qu'elle est cachée par la tasse. Absolument pas, regarde le retour. Ouais. Un unijambiste ! Un unijambiste ! Okay, ouais. Quelqu'un aide Enzo, hein? Parce que là, c'est pathétique ! Bon. Reprends ta chronique. Bien sûr. Mais vous voyez son sourire à Pedro, n'importe quel sourire pourrait sauver une tenue. C'est donc un 6,5 sur 10. Et vous là ? Ouais. Oh seigneur des enfants, je vous jure, Bella Ramsey ! C'est un employé de poste de Playmobil et rien que pour ça, 10 sur 10. Natalie Portman, 10 sur 10, la perfection absolue, hein, comme d'habitude. Lenny Kravitz, même chose. Bon, il doit bien en avoir au moins un qui n'a pas reçu un très bon accueil. Ah ! Bah typiquement, l'hôte de la soirée, Joe Coy, qui s'est pris bide sur bide à ses blagues misogynes. Faut lui accorder du crédit en même temps, il a eu que 10 jours pour se préparer. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Bah 10 jours exactement comme le temps de préparation de McFly et Carlito pour la saison 4 de LOL qui ressort. Comme quoi, faut bien choisir ses plans B. Si vous ne le saviez pas... Donc, Joe Coy a fait un monologue avec plein de petites blagounettes sur, par exemple, le fait que Oppenheimer était très long. Ou sur le fait qu'il s'était senti mal à l'aise parce qu'il était attiré par une poupée en plastique avec des gros seins en regardant Barbie. T'inquiète pas, mec, on est aussi mal à l'aise que toi. Il est pas le seul, hein. Pendant ce temps, moi, dans mon canapé, je me suis délectée des réactions absolument golden des stars. Ryan Gosling avec son sourcil de dédain levé. Ou Selena Gomez qui carrément met sa tête... dans son visage, on dirait moi à chaque fois qu'Emile prend la parole. Oh que le monde j'ai pas compris. C'est QFD. Petit mot de la fin pour féliciter Justine Trier et Sandra Hüller et toute l'équipe de Anatomie d'une chute pour les nominations et les prix qu'ils raflent à tous les festivals. Au Golden Globe, c'était meilleur film étranger, meilleur scénario. Ça me donne le parfait slogan pour terminer ma chronique. Vive la France et vive les femmes. Béné, j'en ai presque un pincement au cœur. Tu nous reviens quand, exactement ? Alors, je ne sais pas, exactement. J'ai pas encore eu mon planning, je sais que ça finit début novembre, mais je ne sais même pas à quoi ressemblera ma vie d'ici là, figure-toi. Si je serai en vie, qui sait ? Peut-être que je me serais faite écraser par les sabots d'un cheval ou que je me serais faite emporter par un aigle. Auquel cas, on fera une chronique dessus. Ouais. Produire, Ouais, la quantité avant la qualité, ouais.
Bah, j'espère, punaise, que vous ferez une chronique sur mon décès. Quoi qu'il en soit, ma chère, la place, la porte sera toujours ouverte et on enchaîne avec une autre pointe de nostalgie. C'est parti pour Tu connais ton gars. Cher Gabriel qui prolonge de 6 mois son arrêt de travail à Tahiti. Son arrêt de travail. Son arrêt de travail. Dis donc, c'est le vendeur. C'est le seul prof de théâtre de toute l'île, donc t'inquiète pas qu'il se fait des couilles en or, je pense. Ah, il est surfeur en plus. Apparemment, il loge chez l'habitant, tout se passe super bien. Quoi qu'il en soit, on n'aura pas de texte. Aujourd'hui, sous prétexte de cut et de contenu. Mais j'ai pensé à vous, je vous ai fait du contenu. Enfin, c'est pas moi qui ai taffé, moi j'ai juste fait le WeTransfer. Je vous envoie une vidéo de notre cher Gabriel Mélé en direct de Tahiti. Ah. Yaorana à l'équipe. Yaorana sans commune mesure, Yaorana la France, Yaorana YouTube, Yaorana les amis, comment allez-vous? Voilà, petit message en direct de la Polynésie française, de Raiatea précisément. On va aller droit au but. C'est le meilleur voyage de ma vie, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Du coup, bah, je suis prof de théâtre dans un collège, dans un lycée. J'ai ouvert mon propre cours et bientôt je donne cours à des BTS. Que rajouter d'autre? Bah, je peux faire quelque chose de très simple. Vous montrer la vue. Je peux vous montrer ma maison. Bon, pas acheté, hein. On est chez l'habitant, hein, faut pas exagérer. Mais en ce moment, on est que tous les deux. La personne chez qui on loue une chambre est en France. Prenez soin de vous, Nana. Des mots de sagesse. Ça m'a foutu la... Et on t'embrasse très très fort depuis le 14e, enfoiré. Il a bien flex. Bronze bien. Putain. Oh, la il a pas bronzé pourtant. Ah, il a clairement pas bronzé. Non, clairement pas. Clairement pas. Toujours blanc comme un chien. Blanc comme un chien. C'est un moment social. Ça. Yes. Du coup, une petite vidéo à la place du texte, mais la prochaine fois, on vous prépare un petit moment golden. Sachez, au demeurant, que je n'ai pas le monopole de Tu connais ton gars, et si n'importe quelle personne ici présente voudra faire un petit texte pour la prochaine fois, enfin la fois suivante, épisode 5. Déjà ? Bon Dieu, j'ai un petit... Jamais de la vie. D'accord. Quoi ? Non, ce sera épisode 4. Non, non. Le prochain, je fais un texte. Le suivant. Ah, ok. Place vacante. Ah ouais, d'accord, il y a une liste d'attente et tout. Ah oui, non, mais faut s'inscrire. Comme à la RATP et tout, c'est un... Putain, faut s'inscrire. Il y a un délai d'attente, c'est comme quand tu prends un rendez-vous médical. Comme à Pôle emploi. Quoi qu'il en soit, on va enchaîner. Je suis pas sûr que vous soyez prêts pour ce qui va suivre. La chronique Sinoche. Alors, t'en as pensé quoi ? Bonjour à tous et à toutes, bref, bonne année. Et qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Je vous avoue que vos commentaires m'ont touché en plein cœur et m'ont fait réfléchir. Alors je rappelle les faits, dans une vidéo, j'employais les termes nerd, sexiste et patriarcat. Assez pour énerver certaines personnes visiblement très concernées par le sujet, bien décidées à en découdre et frustrées dans leur fragile ego encore en phase de construction. Parmi les commentaires, retour sur le trottoir. Ah bon ? Tiens, je savais pas qu'on s'était déjà croisés sur mon lieu de travail. Non, je savais, ça reste entre nous, c'est juste que je vous invite à me retrouver tous les vendredis à la pause déj sur l'autoroute A9 si vous avez un petit creux et que vous avez beaucoup d'argent. Juste à côté de Monique. Oui. Cochonne. Oui, mais il faut pas se tromper de personne. un autre commentaire, au moins sa poitrine sauve le désastre. Bah tiens, s'il savait que c'était du push-up en plus, il n'y a vraiment rien qui va. Oh, et ou encore, je retourne manger mon caca. Moi je le fais. Ah, classe. Bonne dégustation, j'avoue que je pensais pas être aussi inspirante. Mais je vous avoue que c'est ce commentaire-là qui m'a fait me remettre en question. J'ai de la vaisselle à faire. Mission acceptée, mon capitaine. En tant qu'aspirante femme docile, je me suis empressée de suivre tes conseils à toi, homme viril de TikTok. D'après J'ai vidéo.
Merci, TikTok, de m'avoir remis sur le droit chemin. Dommage, ils ne le seront sûrement jamais, ils sont trop occupés à muscler leurs doigts sur Call of Duty. La place de la femme, c'est où ? À la cuisine. Enfin bref, je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un tout nouveau film. Petit indice, chapeau haut de forme, redingote, elle n'est pas sur moi. Mais bien sûr, Willy Wonka et l'art de la comédie musicale. Ah non, alors faites pas attention à ça. Ça, c'est une erreur, c'est une photo à visée professionnelle. Non, personnelle, pardon. C'est ça. Alors je suis désolée pour toutes les minettes devant leur écran, mais je veux pas qu'elles soient divulguées, donc je vais l'enlever. Je vais l'enlever, voilà. Bien, c'est pour votre bien. Contenez vos pulsions. Oh, tu peux remettre là ? Non, Émile, il faut que tu te calmes. Remets-le. Non, il faut que tu fasses ton sevrage. Ok. C'est comme ça. Bon, ça me permet de préciser un petit truc. À tous les Dark Sasuke du web, je n'ai pas parlé de femmes cette fois-ci, donc il n'y aura aucune photo de femmes. Désolée, on va parler d'hommes. Et en parlant d'hommes, j'ai une petite anecdote un petit peu chaudasse sur Willy Wonka et sur Charlie et la chocolaterie. Alors, vous savez que dans le conte pour enfants, Charlie et la chocolaterie, il y a plein d'allusions sexuelles cachées. Si. Par exemple, au moment de montrer aux enfants son papier peint léchable, Willy Wonka dit « Lécher une orange, elle a un goût d'orange. Les fraises ont un goût de fraise, les snowberries ont un goût de snowberries. » Est-ce que vous savez ce que c'est que le snowberry ? Non. Non. Ben alors vous allez vite comprendre, grâce à ce dialogue, d'une autre nouvelle, cette fois-ci pour adultes sérieusement en manque, du nom de mon oncle Oswald. Comment as-tu réussi à dérouler le truc en caoutchouc sur lui ? J'ai saisi son snowberry et je m'y suis agrippée comme une forcenée, en le tordant une ou deux fois. Aïe ! Très efficace. J'imagine. Tu peux en faire ce que tu veux après. J'en suis sûre. Et oui, vous l'aurez compris, le snowberry, c'est le sexe masculin magnifique. Surtout que quand on sait que dans la scène en question, Willy Wonka demande aux enfants de bien lécher le snowberry pour savourer le bon goût. C'est... Ouais, la bite, quoi. Je sais ce que je vais regarder ce soir. J'aurais pas dû en parler, en fait. Ça va réveiller des pulsions chez toi. J'aurais pas dû. Bitchat cul, ça les excite. Mais si ça peut vous rassurer, dans mon cas, il y a aucun sous-entendu. Suffit, reste calme, tu vas aller faire dodo sinon. Mais c'est le snowberry, moi j'aime bien. Donc dans mon cas, il y a aucun sous-entendu. C'est très innocent avec ce beau message, très philosophique. Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve, alors ne renonce pas au tien. Non, c'est totalement faux, abandonnez tout. On va tous finir chômeurs à moins que la Terre n'explose avant à cause du réchauffement climatique, qu'une météorite nous tombe sur la tête et que les insectes ne viennent à dominer le monde. Mais heureusement qu'il y a Wonka, car grâce à Wonka, je souris à la vie. Vive le glucose, à fond la glycémie. Mais trigger warning, je déconseille le film à tous les diabétiques. Vu le taux élevé de sucre, je voudrais pas être responsable de rechute. Et à tous les futurs diabétiques... Mais tout ça n'a pas empêché Wonka d'être un succès au box-office. Et pourquoi, à votre avis, hein ? Pourquoi ? Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de fans dedans. Non, il y en a une en plus. C'est grâce à Timothée Chalamet. Ah. Chaleur. Enfin, c'est surtout un acteur incroyable, bien sûr, ne vous méprenez pas. Le physique ne fait pas tout. Bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, je vous avoue quand même que Timothée était la raison pour laquelle je suis allée voir Wonka, dédicace à ma belle-mère. Il a ce je ne sais quoi, du charisme, du chien, du sex appeal. Timothée, si tu vois cette chronique, je t'aime! Hâte de te revoir dans la pub de Chanel numéro 5, tu peux me contacter. Mon numéro, c'est le 3630, allô Père Noël. On s'appelle, hein? À très vite. Enfin, c'est aussi parce que Wonka est un pur film musical feel good. Et oui, désolé aux rares personnes allergiques aux comédies musicales qui les trouvent pas originales, pas crédibles, mièvres, ringardes, kitsch, niaises, mélodramatiques. Mais les gars, mais c'est ça la magie des comédies musicales. Mais qui dans la vie de tous les jours se mettrait à chanter à tue-tête dans la rue avec son test de grossesse à la main, accompagné par tous les passants dans un numéro de danse collectif ? Qui commencerait un solo de claquettes en apprenant son licenciement ? Qui chanterait à l'enterrement de son grand-père accompagné de la chorale et du pasteur ? Si ce n'est un héros, non pas toi, Émile. On ne parle pas de toi, tu n'es pas le centre du monde. Oh, moi j'ai bu, mais oh, happy day. Oh, happy day. Continuez. When Jesus... Nominé, Padre 5, tu sais... Oh, moi, putain, je peux le faire. Suffit, ça part beaucoup trop loin. Mamie, je t'aime. Je peux continuer.
Merci Emile, merci, aussi, c'est un privilège que tu m'accordes. De rien. Si ce n'est un héros ou une héroïne de comédie musicale parce qu'ils chantent pour exprimer leurs émotions. Une comédie musicale, ça ne se raconte pas, ça se vit. Un monde où tout est possible, où on peut être soi-même. Sans commune mesure. Oh putain. J'ai pas compris. C'est en fait, pas grave. La blague okay. réside dans... Ta gueule, ferme ta non, gueule. Non, la blague réside dans le... Ferme ta gueule. D'accord. Mais c'est aussi grâce à leurs chansons cultes que les comédies musicales sont aussi iconiques. Bon, les gars, je vous propose un petit jeu, ok? Un blind test des plus grandes chansons de comédies musicales. Donc le principe, il est très simple. Il y a faut deviner. Extraits, voilà, il y a des extraits de 3 minutes, de 3 secondes, pardon, qui vont passer. Et à vous de découvrir le titre du film. Vous êtes prêts? Non. Oui! Bon, c'est bon alors. Let's go, c'est parti! Grise. Oui! Parfaitement, bravo, c'est ça. Bravo, Emile! T'as gagné un point. On passe tout de suite au deuxième. Avec 40 feet. Parce que j'avais envie de ton petit pas envie. Mary Poppins! Oui! 1 à 1. Ça commence à être serré. J'ai le droit de jouer, moi? Non. 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 Tu es animateur. Troisième. Footloose. Non! Non! On peut remettre? Ouais. On peut remettre la chanson? Les Blues Brothers. Oui, c'est ça. Elle a triché, un carton jaune, hein. Même si c'est une triche, mais c'est quand même ça. D'où elle triche? Jamais de la vie. Est-ce que t'as une preuve tangible? Si ce n'est les 4 caméras du studio. C'est suffisant, ouais, mais... je crois. Mais moi j'ai un cœur sensible. Ok, alors celle-là, elle est hyper connue. Si vous la connaissez pas, c'est que vraiment là, faut refaire votre culture. C'est parti. C'est Kolyoko. Oh merde. C'est ça? Non. C'était Gene Kelly? Mais oui, bien sûr, mais... T'es trop dans le jugement. Dansons sous la pluie. Oui. Chantons, dansons, non, chantons. Chantons. Parce que c'est singing. Singing. Oui, mais la comédie musicale, c'est pas dansons sous la pluie. Bref. Non, on verra ça après. Oui. Yo. Et pour finir, cette fois-ci, c'est la version un peu Frenchy. J'ai voulu mettre une version française pour que ce soit un peu plus... C'est ça. Nous sommes de ça. Demoiselle de Rochefort. Oui. Égalité, égalité en vrai. Non mais c'est beau, ça c'est la réconciliation. On termine sur une égalité, c'est bien, moi je suis content. C'est bien, c'est bien. Qui a gagné? Mais on vient de le dire. Personne. Mais moi je le connais cet enfoiré. Je sais qu'il fait exploit. Mais qui a gagné du coup? Je sais pas combien. Tu m'as fait peur. Je me suis dit waouh, vraiment il est stupide. T'as gagné une place au Puy du Fou. Non. Non, elle veut pas. Elle veut pas. J'ai des places gratuites mais elles vont aller à d'autres gens en premier. Ouf. Alors, ça fait mal, ça fait mal. À ma maman, je voulais dire, parce que c'est ma maman la prioritaire. Tu sais, t'en remettras, Emile. Moi, je pleure le soir. Moi, j'écoute Diego, il est libre de sa tête le soir. Et j'ouvre ma fenêtre et je regarde la pluie tomber. Et je pleure. Comme ça. C'est bon, tu peux continuer. Bon. Pour finir, et pour en revenir à Wonka, il me serait totalement impossible de vous pitcher le film en détail. Sinon, cette chronique serait juste un ramassis de spoilers et pas de ça ici. Donc si vous voulez vous ouvrir à cet univers du 7e art et que vous l'avez loupé en salle, petit conseil, checkez bien sa sortie en salle, vous ne serez pas déçus. Les comédies musicales nous font rire, pleurer, rêver. Elles nous permettent parfois d'échapper à notre quotidien bien chiant, faut le dire. Alors, allez-vous succomber à l'univers enchanteur des comédies musicales? Alors, t'en as pensé quoi? J'ai une vanne trop cool! Attention! Oh, c'était hard! Bah, c'était où? Ah, c'était hard! Attends! Tiens, c'est pour toi! Un prix de la meilleure blague! Tu es très drôle! Oui! Je savais qu'un jour je l'aurais! Je savais qu'un jour je remercie ma famille, je remercie mon chien! Mais tu fais plaisir! tu remontes pas! Ah. Mon chien décédé. Moi aussi j'ai un chien mort. C'est ma faute. J'avais mis un pétard en fait dans ce... Dans ouais. Bon, je laisse. Allez, là. Quand même Morel. Oui. J'essaie de me relever. Non. Écoute, je dirais pas que t'es con. Ok. J'ai pas le droit. Ça c'est un compliment pour moi. Ça. Mais pour te faire une petite périphrase. Lève-toi. Hamelin. Lève-toi. Attends. Lève-toi. Elle va faire tomber tout le set. Attends, je crois que ça va aller comme ça ou je suis un peu trop petite. Non, non, t'es trop petite. Bon, on prend ça pendant le prochain jingle. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est pas que t'as un gros cul, mais...
Oh. Et c'était moi la périphrase. Ah, il a dit ça. Je suis en fou. Je suis fou, mec. Ouais. Disons, petit Morel, que la bougie de ton intelligence n'éclairera efficacement ta vie que le jour où tu arrêteras toi-même de souffler dessus. C'est beau, ça. Et j'ai pas moi, compris. Moi, ça me flatte. J'ai pas compris. Ah, moi, ça m'a flatté. Merci, Enzo. Mais moi le aussi, pire, c'est que je trouve ça réellement vrai. Sincèrement. Mais merci. Dans la vie. Mais l'émission, c'est qu'un prétexte pour lui dire devant des gens, mais oui, en fait. C'est vrai. Moi, je suis content. On m'aime, en fait. Ça y est, je suis accepté. Ah non, non, elle dit pas ça, la phrase. Ah. Tu comprendras non, la en regardant. Dit que t'es con. Après, ce qu'il y a de bien sur YouTube, c'est que tu peux l'écouter en 0,25. Comme ça, tu comprendras. Plus de temps pour analyser les mots. Émile, écoute, en deux temps, en trois mouvements, comprends des choses. S'il te plaît. On enchaîne avec la chronique suivante. Je dois tenir une vieille promesse. Ah. Ma foi, une promesse que je fais depuis 2-3 épisodes maintenant. Ah. Car il faut pas oublier d'où on vient. Et c'est grâce à eux que nous sommes là. C'est parti pour la tant attendue minute Ubayenne. Wouhou ! Et pour notre chère minute Ubayenne. Pour notre chère minute ubayenne que nous avons pitchée depuis tant de temps, nous avons interviewé Béatrice Belon, émérite dirigeante des Gaillardises de l'Ubaye, l'un des 4 sponsors de notre saison 1 de 100 communes mesures, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Et toujours bon de le rappeler. Nous l'avons interviewée dans les Alpes, dans le studio 26B à Uvernay-Fourse. C'est une confiturière de talent. Nous verrons dans 3 jours sur la chaîne YouTube, à compter du 1er mars, c'est-à-dire la date de sortie officielle de l'émission, la minute ubayenne qui sortira en version longue. Mais en attendant, petite version courte, petit teaser, c'est parti pour la vidéo. Messieurs, dames, bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette première minute ubayenne de 100 communes mesures. Nous sommes au studio 26B, quartier général de la production niché au cœur des Alpes, et nous recevons aujourd'hui Béatrice Belon, confiturière émérite de discipline d'escoffier et dirigeante des Gaillardises de l'Ubaye. Bonjour Béatrice. Bonjour, bonjour à tous. Qui ne voulons pas travailler avec des grandes enseignes. Alors je suis contente de t'avoir bercé parce que ça fait un beau jeune homme. Déjà ça. Ma maison qui était remplie de confitures. On n'avait plus d'amis. Cette semaine, un agent secret de l'émission payé très très cher par la production est venu t'acheter incognito 3 de tes produits. Est-ce que tu accepterais là aujourd'hui au studio 26B de mettre à l'épreuve ta connaissance de ces derniers lors d'une dégustation à l'aveugle? Alors dégustation à l'aveugle très volontiers. Mais il faut savoir en même temps que justement la dégustation à l'aveugle, quand on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, et bien des fois, on passe à côté. Nous sommes en face de 3 de tes produits qu'on a pris incognito sur le marché de Barcelonnette. Alors, je les connais par cœur, mes confitures, soyons honnêtes. Alors, comment bien déguster une confiture selon toi? Alors, une confiture, c'est déjà la sentir. C'est cette texture qui m'a permis de pouvoir être championne du monde de la confiture en 2020. Elle reconnaît tout sans beauté, ça m'énerve. Ah oui. Parce qu'on vient d'interviewer le pot là. Oui, totalement. À ce propos, juste te poser une petite question. Monsieur, le fait que moi j'en ai pris un bon bout de temps petit déj de cette confiture, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bizarre? Non, quelqu'un du bain. Alors c'est parfait. Bonne. Alors, est-ce que ça te donne envie ou pas de manger les confitures de Béatrice? Oui, clairement. Ouais. Moi, j'aime bien les confitures de grand-mère. Qui a dit qu'elle était grand-mère? Oh, attends, mec! Quoi? Faut que je te montre un truc, gros. Oh, c'est magnifique, c'est le mien. Wouh! Montre-nous tout, Morel. Dites donc. Alors, du coup... attends, toi tu attends, après. Donc... Oh putain, elle a ramené son bardin. T'inquiète, mec. Donc la dernière fois, j'ai vu un truc de fou, mec. J'ai appris que Amazon, en fait, ils voulaient ouvrir des supérettes, grosso modo, où tu rentres dedans, mon gars, tu prends ton article, et t'as pas besoin de passer à la caisse. Vas-y, je te mets à l'écran, mon gars, voilà. Donc, là, fais pas trop gaffe à mon YouTube, en fait. J'aime beaucoup Pacific Sound 3003. Et South Park, manifestement. Et South Park aussi, ouais. Moi, j'adore South Park, surtout le parc aquatique. Voilà, je conseille cet épisode.
Donc bref, du coup, on va faire un petit montage pour montrer comment ça ressemble une supérette du futur. Alors, tu rentres avec ta caisse. Voilà. Mais là, du coup, ça marche moins bien parce qu'il n'y a pas l'ambiance, c'est pas réaliste, tu vois. Donc pour prendre tes courses et tout, sortir sans passer à la caisse, c'est compliqué. Donc tu fais un petit montage. Tu rajoutes un petit extrait. Voilà, donc là, tu supprimes le VPN par rapport au proxy. Voilà, tu vas en HTML. Tu fais un petit floutage, voilà. Hop. Est-ce que t'as bien copié l'URL ? Ah oui, putain, copié l'URL. Voilà. Et tu mets une petite musique de supérette. Tu rajoutes des bruits d'enfants qui s'amusent dans un parc. Et moi, je conseille de la mettre en boucle. En boucle à fond. Fort. Et après, tu rajoutes un bruit d'ASMR de magasin, en fait. Voilà. Et là, tu combines le tout, mon gars. Et ça te fait un petit extrait plutôt juicy. Je te laisse mater ça, mon gars. Les cours du futur, c'est parti. Le petit Timothée est attendu à la caisse. Le petit Timothée est attendu à la caisse par ses parents. Le petit Timothée. Alexa ? Oui ? Est-ce que tu pourrais me rappeler d'aller chercher Timothée à l'école, s'il te plaît, et rajoute du butternut à l'école de course ? Merci. Bien sûr. Venez goûter les escalopes, mes bonnes escalopes. Elles sont bonnes, mes escalopes. Voilà. Ou alors... Et ta gueule. Donc, sinon, tu fais le même concept, mais dans une salle de sport, avec un putain de truc, genre tu dis... ouais, fais ton sport sans sortir de ta caisse, mec. Et tu mets la musique de Mario Kart. Tu vois le truc qui a brisé des couples, qui a fait des divorces, un peu comme moi. Ta gueule. Mec, ça tue ou pas? Ça tue ou pas? C'est pareil quand je joue à Mario Kart, pour, hein, pour faire ça. Ton sport, mec, ça tue parce que techniquement, quand tu regardes bien, le mec à la voiture, il est plus rapide que l'autre sur le tapis roulant. Donc, grosso modo, tu fais plus d'exercices, donc tu es plus performant. Voilà, et sinon, faites pas gaffe à mon fond d'écran, je vais le changer. Morale de l'histoire, les gars, roulez un maximum avec votre bagnole. Je vais te niquer, Emile. Ah non, pas ici. Moi, je veux bien. Convenablement, de manière respectueuse, mais je vais te niquer. On sait jamais, il y a peut-être des enfants qui vont regarder, donc... Il faut les éduquer à ça, en fait. C'est ça s'appelle de l'amour, en fait. Bon, encore une fois, et parce qu'il faut qu'on se grouille à mort, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre non plus. Vas-y. C'est parti pour une nouvelle chronique de Derrière les fagots, et croyez-moi, elle n'est pas piquée des hannetons. Oh là là, je tombe de caribe dans Scylla. Oui. L'œil de la régie. L'œil de la régie, une chronique de review 100% sans commune mesure. Alors, je vais vous expliquer d'où m'est venue l'idée de cette chronique. J'étais en train de faire le 468e arrangement en post-prod de l'émission, j'étais en train de faire mon montage, la déclinaison sur les réseaux, l'étalonnage, machin, le raccord, mes couilles. Et d'un coup, je me suis dit... J'écoute. Et d'un coup, je me suis dit... Vu que je regarde les épisodes tout le temps, que ça ne s'arrête pas, et que je les connais mieux que quiconque à les avoir passés au peigne fin au moins 400 fois, pourquoi ne pas vous faire une petite chronique spéciale de highlight de tout ce que vous n'auriez pas dû voir ou tout ce que vous avez potentiellement manqué sur le rush original. Et c'est un grand fan de Bertrand Chamerois et de sa chronique sur C'est à vous, France 5, 17h à 19h, l'ABC, Bertrand je t'aime, que j'ai pensé à vous présenter l'œil de la régie. Alors, dans l'absolu, rien de bien compliqué. Quelques coquilles vont s'afficher à l'écran, en l'occurrence celle du rush original de notre épisode 2. Et il nous amène un premier temps à la 38e minute de notre deuxième numéro. À ce moment-là, nous sommes dans un moment transitoire entre la chronique ciné et le « attends » d'Emile que nous venons de voir. Or, à ce moment-là, c'est Emile qui doit lancer le top régie. Sauf que ce dernier, emporté par sa fougue et son élan de chroniqueur dans l'improvisation, a littéralement oublié d'envoyer le top texte. Donc, en tant que bon animateur que je suis, j'ai essayé de lui rappeler par des signes plus ou moins discrets. On envoie l'image ? Non. Alors, tu sais qu'on une petite seconde. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah frère, je vais bien. Dans cette situation, que va-t-il se passer ? Réponse A, Emile va feinter la régie.
Réponse B, Enzo va sauter sa chronique. Réponse C, la template va partir toute seule. Réponse D, le régisseur va débarquer sur le plateau. On répond en commentaire Twitch, YouTube, vous avez 15 secondes pour répondre. La réponse est 3. Je me souviens même plus. Je crois qu'il a feinté la régie. Ah, mec. Normalement, c'est là où j'ai montré mon sexe, mais... Et la réponse en image. Un truc. Vous avez juste bougé la caméra. Ah. Je vais la remettre. Oh. Intervention. Ah oui. Et regardez comme je viens subtilement rappeler Emile à l'ordre. Regardez le move. Vous avez vu ce talent. Néanmoins, pour une fois que je perds pas le nord. Tant de signes. Ouais. Je suis trop con. Ils comprennent toujours pas. Je suis trop con. Enfin bref. Oh, j'ai fait tomber ma gourde. Une intervention. Oh, quelle gourde. Tu sors. Aïe. Tu dégages. La blague, elle est nulle. Intervention talentueuse de Robinson qui est venu régler la valeur de plan en direct et en prime time. Et seuls rares élus de Twitch avaient la réponse parce qu'ils ont vu le tournage en direct exactement comme vous. D'ailleurs, soyez attentifs parce que si ça se trouve, vous êtes en train d'assister à l'œil de la régie numéro 4. Oh oh oh. Quoi qu'il en soit, on passe à un tout autre délire. On a pris 3 faits de l'émission précédente et on les a classés par médaille. Et on commence par la médaille de bronze qui revient à Ameline avec quelque chose de plus mignon. On divise l'écran en 2, c'est pas déjà fait, et on envoie l'image. Voilà, c'est une histoire en 2 étapes. Regardez le A, et le A. Ok, je repars un petit peu en marche arrière, on repart directement. Hop, regardez bien le A. Parfait, là on avance d'une minute 41 jusqu'à la deuxième image. Et... Boum! Regardez l'apocalypse du A avec des effets spéciaux et le regard de détresse le plus imposant du patrimoine audiovisuel français! Merci Ameline! On peut dire que je me suis lâché sur les effets là actuellement. Ouais. La médaille d'argent revient à notre chère Emile, on ne la présente plus, on la connaît très bien, cette fameuse blague du rond. Mec! Non, mec! Morel! Non! Mais ce qu'on a tendance à occulter davantage, c'est l'instant juste avant. Un regard, un petit minois d'ange que j'ai baptisé la concentration pré-ro. On voit les images. Ah oui. Bon après ça, okay. je l'ai pas lu, c'est juste Wikipédia qui le dit. Mec, c'est Golden. Vous avez déjà vu une gueule d'ange pareil? Qui rote en plus. Regardez c'est ça, j'ai presque envie de lui faire des petits bisous. Moi aussi j'ai envie de les sourcils français et tout. Je trouve ça tellement mythique. Morel, tu te calmes. Mais moi j'aime bien moi ma gueule. Non, moi franchement, je veux dire honnêtement, je n'ai jamais vu ça et derrière une telle inspiration, je me demande à quoi il pensait. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête à cet instant précis? Probablement rien. Comment tromper leur mari? Bon, après ça, okay. je l'ai pas lu. Vas-y, moi j'ai pas. Par contre, j'ai vraiment fait le Vietnam. Ou alors. Peut-être que c'était ça. Comment tromper leur mari? Bon après ça, okay. je l'ai pas lu. Et Rossi qui réattaque. Oui, dans ce droite. Rossi qui reprend l'avantage. Sûrement celui-là, mais forcément, sûrement, maintenant, ils sont extrêmement loin des deux hommes de tête. Ils sont... Dis-moi, j'ai pas... Mec. Moi, je suis pour Fabio. Ou encore... Comment tromper leur mari? Bon après ça, okay. je l'ai pas lu. L'ornithorynque est effectivement hors norme. Ah non, sûrement pas celui-là. On a du mal à le croiser dans la journée. Il préfère chasser la nuit. Dis-moi, j'ai pas... Alors, non, allez, j'arrête, c'est promis, ça fait beaucoup trop de rôles pour le CSA. On enchaîne. Rêver. Ma, qu'est pas ça? Ça va, Twitch? Alors, juste pour les ornithorynques, j'aurais vraiment pensé à ça si c'était la reproduction. Voilà, après, c'est tout. Mais c'est parce que c'est intéressant, hein. C'est pas pour le... Non, c'est pour le sexe, quoi. C'est trop mignon, les ornithorynques. Enfin bref, changez pas de sujet. La médaille d'or revient à Julie. Chenapan, tu pensais que je ne t'avais pas vu, on renvoie les faits. Et je te laisse avec cette musique féerique. Rêvez. Vous voyez juste là-bas? Ah! C'est un excellent maître nageur qui peut secourir des gens pendant des heures. Putain, on dirait Enzo. Et là, tu reviens. Oh, je l'avais pas entendu, je suis là. Tu oh. passé comme ça. Après... Justifie-toi! C'est vrai qu'on dirait toi! Mais tu vois, il y a les mêmes yeux. En vrai, moi, j'assume ce que j'ai dit, tu vois. C'est quoi comme marque de chien? Comme race de chien. Ah non, on dit Marc. T'as un labrador. C'est un bully, comme moi. Bully parce que tu te fais... Ferme ta gueule. Yes. J'ai jamais mon noir et blanc. Ah ouais. Ça, c'est un bully bâtonneux. Là, pour le coup, c'est plus un golden retriever, tu vois. Ouais. Oh là là, la meuf, quoi.
Mais trop chiant. Savoir que dans la chronique, attends, moi j'ai pas le droit de parler, ce qui fait que sinon je décale la template. Mais je t'ai très bien entendu et c'est non, là que j'ai eu le premier pop-up de la. J'essaie toujours de caler. Mais tu n'as pas oublié. Je veux bien admettre que mon broching soit un échec, mais quand même, faut pas déconner. Il y a des rires qui font beaucoup plus mal que d'autres. On termine enfin avec un truc cool qui nous ramène à une époque pas si lointaine, le lancement du premier épisode et même le lancement de la saison. Ça remonte au 2 novembre dernier et tout le monde se souvient du court-métrage dont on balance l'extrait tout de suite. Une impulsion au beau milieu de la nuit, un réveil ou une insomnie, une vision soudaine et l'envie pressante, immédiate, de saisir un stylo et de noter tout ça. Eh bien, je vais vous dire un truc que vous ignoriez certainement. Non. Ce jour-là, c'était Ameline à l'assistana, régie, caméra, Madeleine et cadrage. Je l'ignorais. Mais il n'y a pas de quoi te fuir. Et sur ce plan particulier tourné en plein été dans notre appartement où le son était cut, où on n'entendait pas l'alarme et où il faisait une chaleur insoutenable, Ameline était chargée au moment du son de l'alarme, enfin du son, il n'y avait pas d'alarme en l'occurrence, pour un raccord micro, pour une histoire de cohérence, de me faire un petit claquement de doigts pour me faire me rendre compte que l'heure était passée et ainsi ne pas bouffer de la carte. Bon allez, on envoie le rush original parce que ça me... Et encore aujourd'hui, ça me déchire grandement le cœur. Oh, le petit... C'était le seul truc que je devais faire. You had one job. Le truc, c'est que les gens se rendent pas compte du taf que ça fait de faire une putain d'émission, excusez-moi. Mais on était à un état émotionnel à ce moment-là tellement intense que la moindre poussière dans l'engrenage pouvait nous faire vriller. Et là, je crois que c'était la poussière de la soirée. Mais vaut mieux en rire aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Peu importe le taf qu'on y investit, sachez qu'à la minute même de la sortie de ce court-métrage, ma sœur m'a envoyé un message, ma sœur de 17 ans, et j'ai envie de vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur Terre, et peu importe l'investissement en question, que de rendre sa famille fière. Franchement, big up à Mac. Allez, mon ego est en miettes, c'était tout pour l'œil de la régie, on envoie le jingle. Ça me rend nostalgique, tu vois. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Non, mais il y a des petits détails comme ça, on les remarque pas. Moi, ça me donne envie de chialer, ouais. Bah, vous savez quoi ? Fuck le Puy du Fou, je reste ! Oui ! Non, c'est pas vrai. Ah, merde. C'est pas vrai ? Yes ! Ouais ! Allez ! Ah, putain, j'ai une journée même pas. Oh, putain, là, ça me refait, ça me ralasse. C'est faux. Ça me ralasse. Allez, à 3, on dit à Julie qu'on l'aime. 1, 2, 3. Julie, on t'aime. Pourquoi je suis le seul à le dire? C'est parce que je voulais pas dire dans ce sens-là. Au bout d'un moment, tu parles tout seul, en fait. Moi, j'ai pas le temps de dire ce que je ressens. T'as pas le temps de comprendre? Parce que moi, je veux dire juste que... Bah, ça fait mal, déjà. Mais non, je veux juste dire... Julie, je t'aime. Je t'aime, Julie. Ah, merci, je vous aime aussi. Un peu. Ah, c'est toujours mieux que pas. Bon, mais bien sûr. Les gars, j'ai besoin de ma dose de bad news, là. Tu veux des bad news ? Ouais, Emile, tu t'en charges ? Go, jugement dernier, c'est parti. Les bad news ! Les pires news du monde. Bon, là, je vous apprends rien. C'est la merde partout dans le monde. Mais moi, j'ai des pires news, et on va commencer par des bad news d'abonnés et d'amis. Voilà, hein, parce que n'oublie pas un truc, c'est que toi aussi, tu peux m'envoyer tes bad news sur mon Insta ou le TikTok de l'émission, et j'en parlerai. Alors, du coup, première bad news, ça nous vient de ma coloc, Océane. Big up à Océane, j'espère que tu regardes le live. Normalement, tu regardes le live. Et bah écoute, je raconte ton anecdote, attention, elle est horrible. Océane travaille dans un EHPAD. Elle s'occupe des personnes âgées. Oui. Voilà, jusque-là, c'est normal. Ça va. Et du coup, son taf, c'est grosso modo nettoyer le huc des yeufs, tu vois, leur mettre bien des grosses sondes dans le...
Et sinon, bah, aller balader la journée et tout, leur donner un petit peu à manger, enfin voilà, tu vois, truc principe de base, tu vois, de survie. Ouais. Et là, on va dire qu'elle s'occupe de Madame Dupont. Hein. Voilà. S'occupe de Madame Dupont. Madame Dupont, c'est pas quelqu'un de super vivace de base. Voilà, c'est sûrement dû à l'âge, je sais pas. Peut-être qu'elle était cam, peut-être elle aime la camomille, je sais pas. Bref, elle la balade toute la journée sur son fauteuil roulant et tout. Et là, elle prend l'ascenseur. Elle dit, en rigolant à Madame Dupont, « Vous parlez pas beaucoup aujourd'hui, hein ?» Elle répond pas. Elle était un peu comme ça. Ouais, abrège, frère. Ouais, et du coup, je t'explique. Elle la balade toute la journée. Elle sort en fin de matinée fumer sa petite peuclot, tu vois. Et là, t'as les collègues qui viennent et qui lui disent « Océ, c'est toi qui t'es occupé de Madame Dupont ce matin ?»« Ouais, pourquoi ?» Ça fait 2 heures qu'elle est morte. C'est une vraie anecdote, voilà. Et sinon, je vais raconter l'anecdote de mon pote John Cornet, le barman qui fait des cocktails, professeur cocktail. Grosso modo, il avait juste une fois une cliente dans sa terrasse extérieure qui se ramène. J'adore. Elle commande un café, ok. Elle se balade un peu comme ça, tu vois, un peu elle se balade sur la chaise, tu vois, comme ça. Écoute bien. Elle a traversé la chaise, ça lui a fait peur, elle s'est chiée dessus par terre. Attends, elle a traversé la chaise. En fait, elle faisait un peu genre comme ça. La chaise, elle a pété, elle est tombée à travers la chaise, et en tombant, ça l'a surpris, elle s'est chiée dessus. Tout le long du lycée, on nous dit te balance pas sur ta chaise. C'est de la putain de prévention et pourquoi personne n'écoute ? Non mais il devait quand même y avoir une envie pressante parce que sinon ça va pas marcher. Moi je pense que c'est vraiment le cœur qui parle, tu vois, c'est genre. T'imagines ? Tu t'es chié dessus ? Bon, pour toutes les personnes qui sont constipées. La caution ! Je reviens. Je rigole. Ah bah, génial. C'est pas vrai. Attends, mais je reprends. On enchaîne avec les pires bad news. Toi, tu vas te prendre une patate un jour. Peut-être ça lui refera son prochain. Ouais. Oh. Hein, le paysagiste. Brrr. Bon, j'avance. Alors, du coup, bref, j'embraye sur une dernière anecdote d'une collègue à moi qui est à Nice, Maddy, qui pensait qu'il y avait des esprits chez elle. Donc en gros, elle vivait avec sa maman à Nice. Mm. Et là, t'as la voisine d'en face qui vit là depuis très longtemps. Elle dit, ici, il s'est passé des trucs chelous, je te le dis, mon gars. Il y a eu des meurtres et tout. Il y a un cimetière indien à l'étage. Elle lui dit comme ça, on va dans les yeux. Et... Oh, oh non. C'est bon quoi? La proprioception. J'ai quitté ta race. Yes, allez, on reprend. On enchaîne. Donc bref, elle est dans cette maison. Dans les packs. Ça y est, on a fait un yaoi, les gars, officiel. Vous pouvez le voir sur notre OnlyFans. @aintai.sanscommunemesure.tv. On n'oublie pas le point, c'est très important. 50 balles les 10 secondes. Bon bref, je continue. Donc, maison soi-disant hantée et tout. Elles appellent le médium. Le médium, il arrive comme ça, il fait ah, je te dis ça, pue du cul mon gars. Il y a un esprit et à mon avis, c'est pas un bon, tu vois. C'est pas genre le mec qui va te dire attention, la lumière, elle est allumée, je te l'éteins pour l'économie. Non, c'est lui. Il te regarde dormir. Il touche les yeux comme ça, là, sous lui. Là. Bon, bref. Du coup, il y a le sel, tu sais, le pendule et tout, machin. Et là, les deux, elles badent. Elles disent, bon, on va acheter un chat pour monter la garde et tout. On a envie de se sentir accompagné. Je sais, ouais. C'est un peu surprenant, mais bon. Un chat de garde. Tu sais qu'un siamois, ça encule. Hein, ça fait très mal par expérience. Ouais. Comment on le met sur mute, ce fils de... Yes, et du coup, écoute bien, elles ont acheté le chat. Une semaine après, même pas, en fait, elles se rendent compte que les bruits qu'elles entendaient, c'était une souris. À l'étage. Le chat a fait son taf. Le chat a fait son taf. Oui, acheter des chats. Le chat est un meilleur médium que le médium. Et sinon, on va passer à la bad news principale. Alors, vous savez qu'en ce moment, il y a tout le scandale, enfin scandale, je devrais dire même la crise avec les agriculteurs, hein, qui est mondiale, carrément, limite. Et du coup, eh ben, y a pas que les agriculteurs qui se rebellent, il y a aussi les vaches. Et en 2016, il y a une vache qui s'est libérée dans le Queens, à New York, 165e rue. Elle a paralysé la rue pendant une après-midi entière. La petite vache comme ça. Tout le monde essayait de la choper, de l'arrêter, c'était impossible. La vache a vraiment imposé sa loi. Et du coup, on va regarder tout de suite les images des témoins sur place. Quartier du Queens, New York, 165e rue. Les forces de l'ordre luttent maintenant depuis plusieurs heures pour appréhender le suspect. La tension est à son paroxysme. Mais que s'est-il passé ? J'ai vu ma bique.
défilait devant mes yeux. On a d'abord pensé à une caméra cachée pas drôle. Avec le recul, j'aurais préféré. Plus jamais. Plus jamais. Je fais des promos sur le gigot en ce moment. Mais que s'est-il passé? Vous savez, il y a des jours comme ça où on se dit, j'aurais dû pioncer. Comme tous les matins, je prends mon café, je regarde les Rocheuses de New York avant d'aller au travail. Avec ça, je me dis qu'en vrai, on est insignifiant face à la nature. Le fermier local arrive à 6h15, il m'apporte la marchandise, je le paie, il me fait un bisou et au moment de partir... Non, à 6h je dormais encore, je suis au RSA, ça facilite le sommeil réparateur. 2 heures plus tard, la situation bascule drastiquement. Vous savez, enfin, on est arrivé si vite, j'ai pas fait attention à la porte, le temps d'aller au... C'est là que je l'ai vu en train de gambader. Alors je criais « Wow !» Mais elle m'a pas écouté. Elle m'a ignoré. Je suis sortie, j'ai couru en direction du Grand Boulevard et j'ai hurlé « Mirabelle, tu peux pas me faire ça, je te demande comme de vache !» Ma vache. J'ai reçu l'ordre d'intervenir sur un 65e en urgence. On a vu une vache discriminante qui ignorait les gens. On peut pas être politiquement correct dans ce genre de situation. Hein ? Un peu plus tard, la situation escalade vite. Et là, je vois la scène. Je peux comprendre que certains ont un suivi psy maintenant. Du coup, j'ai retweeté en écrivant. Waouh, c'est chaud ! Non, attendez, vous étiez sur place ? Moi ? Non, j'étais chez ma mère dans le Colorado. Mais pourquoi vous êtes venu témoigner si vous n'êtes pas témoin ? Baisse. J'ai vu la vidéo sur Twitter quand même, monsieur. Je veux dire, c'est déjà pesant l'idée. Dégage, va te faire enculer. Dégage. C'était ma vache. Puis le policier a demandé plusieurs fois, dans un respect de l'intégrité de chacun, de se rendre calmement. Très calmement. J'ai rien pu faire. Ça a gâché la viande. Je suis dégoûtée. Je lui ai dit, s'il te plaît, elle m'a ignoré. J'irai, c'était la meilleure chose à faire. C'était mauvais. Une fois terminée, la situation est de nouveau sous contrôle. La vache Mirabelle fut appréhendée. Le petit Tommy, 7 ans, ce jour, perdit son ballon favori offert gratuitement dans tous les Buffalo Grills. Il est toujours sous suivi dans une cellule psychologique. Le policier fut médaillé pour son courage exemplaire à la mise en place du politiquement correct. L'homme de chantier se reconvertit en tant que fleuriste. N'ayant aucune compétence dans le domaine, il perdit toutes ses économies. Le boucher, quant à lui, mit en vente une nouvelle gamme de viande, mi-viande, mi... et fit un tabac à San Francisco et Paris. Le fermier retrouvera finalement sa femme Mirabelle après avoir payé la caution d'un montant de 275 000 $. Ils eurent étonnamment aucun enfant malgré de nombreux essais. J'ai vu ça sur Twitter! Oh fou, bro. Oh shit! Oh shit! Oh my god! Oh, pas le C! Oh no, the camera! J'en porte encore les répercussions psychologiques. Et le coup sur mes nez. Des images saisissantes. Et du coup, non seulement ça, mais je viens de recevoir un snap du ref. Il y a Pedro qui est en train de nous confirmer qu'il est devant le Parlement tout de suite. Pedro, notre envoyé spécial. Merci Pedro. Bon, bah voilà, tout ça pour dire, c'était les bad news. N'hésitez pas à envoyer les vôtres si vous voulez qu'on en parle. Sinon, allez bien vous faire enculer. Et comme on dit dans le quartier, quelle pute cette vache! La vache, quelle pute de cette vache, la vache elle est barbeau. Moi, je connais une vache qui drague tous les taureaux. Moi je la prends comme ça la vache, Allez, on embraye s'il vous plaît, parce que là ça commence un petit peu à... Jingle. Mais t'as... Fin de la chronique. Jingle. Ah putain, le riff de ouf.
Pardon. Quoi ? J'adore le riff, mec. La guitare. Ta gueule. C'est officiel, on arrive sur la fin de l'émission. On va pas tarder à repartir prendre notre train Gare de Lyon et manger un petit pain au chocolat. Ou une chocolatine. Quoi ? Bon, allez, on va faire un truc qui mettra fin au débat une bonne fois pour toutes. Les céréales avant ou après le lait ? Les céréales, c'est avant. Oui, les céréales, c'est avant. Parce que tu sais pas combien tu vas mettre de céréales. Moi, j'en ai... Eh, on dit pute ou coureuse de rempart ? On dit progéniture de rambardière, dans ton cas. J'ai pas compris. C'est pas grave, tu comprendras rien dans les rushs. Ça veut dire fils de pute ! Merci beaucoup ! Bref, tout ça pour dire qu'on enchaîne rapidement avec la suite. Et pour terminer cette émission, quoi de mieux pour vous faire repartir avec une petite collation pour la route que d'enchaîner avec le crash ? Le crash ? Le crash ? Le crash. Le crash ? Le crash ! Le crash ! On enchaîne avec le crash ! Oh my god, ça va mal. L'état du monde est au plus critique, si atypique que ça s'astique. Plus c'est louche, plus ça se touche. Encore une bad news, accouche. Majorité à 12 ans, plaisant. Si t'es contre, c'est oppressant. Pas éduqué, besoin de moraline. Je soutiens ta cause, donne la cyprine. Mec, elle a les cheveux bleus. Elle a les cheveux bleus. Elle a les cheveux bleus. Elle a les cheveux. Envoie le crash, on évite le cash. Le rap, je décrasse. On s'écrase, envoie le crash, on évite le cash, le rap je décrase, on s'écrase, envoie le crash, on évite le cash, le rap je décrase, on s'écrase. Elle a les cheveux bleus. Elle a grave les cheveux bleus. La sauterelle t'en sorcelle immortelle. Informelle, tu te branles sur des orteils. Plus de causes que de jours dans la semaine. Si on t'écoute, c'est ta 14e. Légende vivante pour top modèle. J'ai du mal à rester rationnel. Le danger n'est plus la cocaïne. Encore une victime de la dopamine. Mec, elle a toujours les cheveux bleus? Elle a les cheveux bleus. Envoie le crash, on évite le cash. Le rap je décrasse, on s'écrase. Envoie le crash, on évite le cash. Le rap je décrasse, on s'écrase. Julie. Envoie le crash, on évite le cash. Le rap je décrasse, on s'écrase. C'est pas juste. Perdez vos valeurs et perdez votre temps. Perdez ce que vous êtes et transmettez-le à vos enfants. Sauterelle. Voilà. C'est beau. Maintenant je me mets tout nu. Non, à chaque fois. Mec, un jour je y arriverai, ouais. Bon, t'échappes pas comme ça. Ouais. Là aujourd'hui vous avez vu Emile rapper et performer, mais je voulais vous tenir au courant de quelque chose d'assez intéressant. Ça n'a pas toujours été le cas. Maxime, est-ce que tu pourrais nous relancer l'archive du jour s'il te plaît? J'ai du mal à apprécier ma génération et même avec modération, je me sens obligé de faire ma déclaration. Hein. Entre étudiants perchés et jeunes cadres diplômés, facile de les distinguer mais impossible de les différencier. Ouais, ouais. Moi j'adore ma meuf comme un putain de dog, sans la saucisse d'un autre dedans. Je sais, je suis pas abonné à Vogue. Regarde-le lui un peu. Il te reste 49 secondes de carte, alors okay. Bouge ton cul. Rien à foutre, on est sur ce putain de balcon. Et ouais, peut-être qu'on est un peu con. J'ai moins de 30 secondes, alors je vais dire tout ce que j'ai envie de dire avant que ta mère je la féconde. Ouais, je suis un peu zarbi, peut-être que j'ai fait pipi au lit. En attendant, je suis un picard, un peu vénard. Ouais, je sais, je traîne qu'avec des queutards. Je fume toujours le pétard. Eh, masterclass ou pas? Masterclass de ouf! Viens là, papa! Elle tapasse sur Skyrock! Skyrock! Mais donnez-lui un planète score. Rap, le rap ça continue! On envoie un jingle vite! Bon! C'est bon, Emile est plus là. Maintenant que tout le monde est en place, on va la boucler, cette émission.
Par pitié, Emile, reviens. Et pas que l'émission. Alors, déjà, on n'a pas beaucoup mordu par rapport au temps. C'était raisonnable. Maxime Poster à la régie. Il Maxime Poster dit que c'est bon. C'est Écoutez, un gros big up à tous ceux dont on a oublié de faire un big up. Emile, rassieds-toi. Bitch. Vraiment. Bloque vraiment, pas ma caméra. Attends, tu me vois ou pas? Je suis cadré ou pas? Ouais, c'est bon. Alors, du coup, ouais, alors big up à deux abonnés qui sont toujours très fidèles. Je vais en rajouter un troisième sur le TikTok et le Insta. Il y a déjà Bas les couilles, big up à lui. Il y a Seyp, S-E-Y-P, voilà, il va se reconnaître. Et Fect, j'espère que je prononce bien ton blaze, frère. Parce que il a fait un edit, on le mettra dans le prochain épisode. Oh, il a fait un edit de bâtard. Et voilà, juste ça, je voulais vous dire merci parce qu'il y a un truc que les créateurs ne disent pas assez, c'est que sans la commu, on n'est rien. J'ai l'impression que les créateurs disent que ça. Bah non, moi je trouve qu'on le dit pas assez et moi je veux le dire. Donc, mais je vais vous parler de Raid Shadow Legends. Est-ce que je vous ai déjà parlé de NordVPN? Et t'as pas remercié Tipandax? Mais Tipandax, elle était dans la vidéo. Le fermier et Arnaud Cabassu. Et Arnaud Cabassu qui nous a aidés. Mais on remerciera plein de gens plus tard. On va faire un immense, une émission d'une heure de big up. Et un big up également à Arthur Gustin qui nous regarde, qui est invité depuis la régie. Qui nous fait un joli petit cœur. Merci mille fois parce que le générique, comme la K-pop, est principalement dû à ce monsieur qui est actuellement en régie. Quoi qu'il en soit, on arrête avec les millions de remerciements. Sachez dans tous les cas qu'on vous aime du fond du cœur. C'était la troisième émission interminable de Sans Commune Mesure. On vous laisse, faut qu'on aille dormir pendant 8 heures. Yeah ! Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout suivez nos bêtises sur les réseaux. À vous les studios. We'll be right back.